Il y a beaucoup des yaourts locaux. Et quand nous remarquons dans ces yaourts locaux, il n'y a pas assez d'hygiène. Et alors le groupe Mami Nova s'est associé avec la société SN Plasco. Vraiment, c'est une bonne initiative et j'apprécie. Là, c'est correct. Là, c'est du bon. C'est yaourt saveur coco. Les gourmands auront le plaisir de découvrir au rayon ultra frais, dès ce 1er juin 2019, des pots de yaourt de 125 grammes au prix de 350 francs CFA. Déclinés en gamme nature, nature sucrée, vanille, fraises, coco et barbadine, ces délices lactées sont tous fabriqués au Congo. Une innovation de la société SN Plasco, célèbre dans la production et la distribution d'eau, notamment maillot, dont le directeur général Nicolas Roux a dévoilé les ambitions. Cette diversification s'est décidée à l'issue d'une très longue réflexion. Nous avons opté pour celle-ci car nous avons pensé qu'en termes d'image et de valeur, c'est ce qui nous a paru le plus proche et le plus compatible à ce qui est déjà véhiculé par la SN Plasco à travers son grand maillot, à savoir la qualité, la famille et la santé qui, historiquement, ont toujours été au cœur de leur préoccupation. Une production sous la marque historique française Mami Nova pour bénéficier d'une image de marque de renommée internationale et cohérente avec ce que représente la marque maillot au Congo-Brazzaville, mais également bénéficier d'une expérience et d'un soutien dans ce nouveau métier avec un partenaire fiable et sérieux pour proposer aux consommateurs congolais un produit répondant aux critères internationaux de qualité. La marque Mami Nova, donc notre célèbre et aimée Mami Nova, très, très connue en France, tous les foyers français connaissent cette marque et puis aussi la partie internationale. Donc elle est née dans les années 70, elle est connue pour ses recettes gourmandes, généreuses, fruitées. C'est vraiment ça, sa carte d'identité, c'est une marque qui est sympathique. C'est vrai qu'elle a pu prouver depuis déjà de nombreuses années et conquérir le cœur des Français, et je suis sûre le cœur demain des Congolais, et vous pourrez en consommer régulièrement. Pour ce faire, une usine écologique Mami Nova a été implantée à 40 km de Pointe-Noire dans la localité de Inda, où 40 collaborateurs formés fabriquent quotidiennement les produits avec du matériel flambant neuf, des équipements qui proviennent d'Europe pour une qualité zéro défaut. Quant à la distribution, l'exclusivité est réservée à la société SN Plasco.